voulez que je parle moi. C'est la place de la fierté alors dont vous parliez. C'est même plus que ça, sincèrement. Je disais toujours, quand on m'a dit de venir faire l'Eurovision, je dis moi je veux juste être fier de moi. Et aujourd'hui je suis pas juste fier de moi, je suis fier de nous. Parce qu'en France on a des talents dont on ne mesure pas la quantité. Il y a eu un directeur artistique incroyable, il y a eu une styliste incroyable, il y a eu une chef de délégation incroyable. Je suis très ému parce que j'ai chanté dans ma langue, j'ai chanté l'amour, chanté la paix. Et d'être là où je suis arrivé aujourd'hui, pardon, je suis désolé, je suis très ému, mais c'est pas de la tristesse, c'est réellement de la fierté. Je suis très fier pour Nemo, il méritait de gagner, c'est pas ça l'histoire. Mais on méritait vraiment d'exister, d'être entendu. Et on l'a été ce soir, je l'ai été ce soir. J'espère que vous êtes fiers de moi. Et je pense que il y aura un avant et un après dans ma vie. Pas en tant qu'artiste, en tant qu'homme. Parce que j'ai vu à quel point la paix, l'amour, le travail pouvait gagner en mérite. Et c'est beau pour nos enfants, pour ma fille, pour tout le monde. J'ai envie de croire en ça, de dire que quand on y croit, quand on fait les choses avec le cœur, ben ça marche. Je suis quatrième. Alors oui, je suis pas premier, mais j'ai chanté en français avec une ballade qui parlait d'amour, en ayant gardé mon chemin, ce que je pensais, ce que j'avais dans mon cœur. Et ça, c'est grâce à tout le monde, grâce à tous les gens qui m'ont suivi, tous les gens qui m'ont donné de la force. Pour la petite histoire, ça se fait pas de dire ça, mais j'avais plus de voix hier. Et j'ai reçu tellement de messages, tellement de gens qui me supportaient de venant de France et de partout ailleurs. Je voulais juste vous dire merci. J'espère que vous êtes fiers de moi. Nous, on est fiers de nous. Merci du fond du cœur. Bravo, 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 bravo.